Bienvenue, c'est la cuisine d'Elinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une recette simple et rapide. Tout est cuit dans la même poêle, du saumon à l'asiatique avec des nouilles sautées aux légumes. On va commencer par la cuisson du saumon, les darnes de saumon dans un premier temps. J'ai mis un mélange de huile de sésame et d'huile de table dans un wok ou dans une poêle. Une fois chauffé, vous rajoutez le saumon. Alors on va le mettre sur la peau dans un premier temps. J'ai pris des darnes de saumon. Et on va le faire cuire pendant une petite minute à feu vif dans un premier temps, avant de venir le retourner sur la deuxième face. Je vais venir saler, poivrer, mettre un tout petit peu de piment d'Espelette si vous aimez bien ça, ou vous contentez de sel et de poivre. Alors j'ai mis après le saumon sur l'autre face, je vais le retourner pour pouvoir continuer la cuisson. Voilà, il ne faut pas trop le cuire. Je vais venir mettre de la sauce soja salée, la sauce ngok mam, sauce soja sucrée. Voilà, ça donne un super résultat. Et vous laissez continuer la cuisson pendant une minute supplémentaire avant de venir l'enlever. On va le conserver en l'arrosant avec son jus de cuisson, le temps de préparer les légumes. Toujours dans la même poêle. Ou alors de préférence un wok, on va remettre un tout petit peu d'huile, toujours un mélange d'huile de table et d'huile de sésame, moins que tout à l'heure, et on va rajouter un mélange de légumes. Alors j'ai mis des oignons, de la courgette, des haricots verts, de la carotte, des brocolis. Voilà, vous pouvez rajouter les légumes de votre choix, des pois gourmands. On va venir les sauter, rajouter un tout petit peu de sel, de poivre, et on va mettre également de la sauce soja salée, sauce ngok mam, et les laisser cuire avec un tout petit peu d'eau de bouillon pendant une bonne dizaine de minutes à couvert. Alors ça dépend comment vous aimez les légumes. Alors moi je les aime bien un peu croquants, c'est pour ça que je les ai laissés que 10 minutes. Après on va venir ajouter des nouilles. Alors choisissez les nouilles de votre choix. Moi j'ai pris des nouilles de riz, comme c'est pas très calorique. Alors il suffit de mettre un tout petit peu d'eau par-dessus les nouilles. C'est infusé, puis par la suite les égoutter. Et j'ai laissé alors sauter pendant deux petites minutes avant de rajouter le saumon avec sa sauce. Voilà, dans la même poêle. Ça nous fait un plat complet. Éventuellement se poudrer avec un mélange de persillade, mais j'ai toujours le même mélange. Ça vient ravir les plats, comme vous pouvez mettre des herbes fraîches si vous souhaitez ciseler par-dessus. Voilà, on a un wok complet avec les protéines, les féculents et les légumes. Une idée pour un repas de midi ou le soir. J'espère que cette recette vous fera plaisir à vous, famille. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Elinoucha avec des nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.